cet engagement de tous ces tour opérateurs, déjà, la Confédération aussi, bien sûr, mais ça, bon, finalement, ça commence à bien prendre. Vos TO, ils sont vraiment unis? Vous connaissez une profession, vous, où on peut dire comme ça, proclamer que tout le monde est uni alors qu'on est tout le monde est concurrent? Non, ils sont unis quand il s'agit de se mutualiser sur des projets, ils le sont, peut-être plus que d'autres d'ailleurs, et moi j'invite toutes les autres professions à être aussi unies que les tour opérateurs du CETO, parce qu'on arrive à faire passer des projets, pas très évidents, et quand on voit le type d'engagement qui ont été pris dans la charte du voyage, c'est énorme, ça va impliquer des coûts financiers, des changements de méthode, mais comme ça on se prépare réellement pour le changement de la directive. C'est sûr. Qui va vraiment faire la police, j'ai envie de dire, parce que dans cette charte qui est globale, les produits sont un peu différents. Est-ce qu'il va y avoir une véritable régulation, surveillance de l'application de cette charte? Oui. C'est le grand sujet d'ailleurs qui est sorti du précédent forum où on avait présenté en disant tous les signataires s'engagent, il y aura une police, ça sera fait par le CETO, il y aura aussi la médiation qui se mettra en route. Je pense qu'elle est soutenue par la distribution. On a eu l'occasion de présenter au plus grand réseau de distribution, tout le monde est satisfait. C'était leur grande question en disant, y aura-t-il de la police? Oui, il y aura de la police et oui, on fera comme les Anglais, s'il faut faire, on fera de la réprimande, ceux qui ne... On faut à un moment donné condamner les gens à devenir meilleurs, plus engageants, et ça, c'est l'objectif du CETO. Vous vous représentez encore? On a suffisamment d'engagements à prendre, on est à la croisée des chemins. On a aujourd'hui une profession qui, ça dérange certains, mais qui s'entend très bien, que ce soit avec la PST, les entreprises du voyage. On travaille en chantier commun, on fait de la mutualisation de coûts. Et ça rassure tout le monde, aussi bien, je pense, les adhérents des entreprises du voyage que de la PST, que ceux du CETO. Donc ça plaît beaucoup. C'est pas le moment de lâcher le navire. Et moi, c'est vrai que j'ai décidé de continuer 3 ans.